Longtemps, j'ai contemplé l'océan sans le comprendre. Je ressentais l'énergie immense de ses eaux. Je m'étonnais de la profondeur de ses bleus. Je respirais l'air du large. Mais en réalité, je ne voyais rien. Ici, à Shark Bay, en Australie, les falaises me murmuraient l'histoire de la Terre. Elles n'étaient pas des roches sorties de terre. Elles étaient nées de la vie de l'océan. Elles formaient un immense sanctuaire fait de milliards de squelettes d'animaux marins accumulés au fond des mers lorsque la Terre n'était qu'un océan. Ces organismes avaient fait l'air que je respire et le climat qui me protège. Je voyais de puissantes marées creuser des sillons de sable, mais je ne voyais pas que ce brassage est la source de la vie. Je voyais les vents sculptés des dunes, mais je ne voyais pas le mariage de la terre et de la mer. Je voyais le sel blanchir une terre aride, mais je ne voyais pas que l'océan a apporté la vie au continent. Je voyais d'immenses prairies coloniser le fond des mers comme je n'en voyais pas sur Terre. Mais à Shark Bay, il y avait bien plus encore. Il y avait l'origine de ma propre histoire, à moi, l'homme. Elle avait commencé là, par une colonie de fossiles de bactéries qui vit à fleur de l'océan et que l'on appelle stromatolite. Je descends de cette forme de vie, la plus ancienne connue sur Terre, dont la naissance remonte à 4 milliards d'années. Je venais de là, je viens de l'océan. Aujourd'hui, devant l'océan, je ne vois plus que moi, l'homme. Je suis 7 milliards d'humains. J'ai fait de la planète un monde à mon image. Sur les rivages de l'océan, j'ai bâti des mégapoles où je vis par millions. J'ai creusé des ports, rasé des îles pour construire mes usines. L'océan m'apporte toutes les richesses minérales du monde. Je travaille la matière, je fonds l'acier, je découpe. 100 000 de mes bateaux parcourent les océans. Tout ce qui vit, tout ce qui pousse sur la Terre, passe un jour dans mes mains de fer. Je transporte même les forêts. Je puise sans relâche dans l'océan pour me nourrir. Je suis devenu un super prédateur. J'ai mis ma vie en boîte. C'est 600 millions de boîtes que je transporte grâce à l'océan. Cet océan m'a offert la mondialisation. La planète est à moi. Et maintenant, où je vais ? Je commence à mesurer les conséquences de ma puissance. Surpêche, climat, épuisement des ressources, pollution. Ma propre course m'entraîne loin, beaucoup trop loin. Et je le sais parce que je suis capable de comprendre ce qui m'arrive. Comment en suis-je arrivé à ne plus voir ce qui m'entoure ? Pour le comprendre, il faut retourner au commencement de tout.